X5, fais diversion vite! X5, youp la boum, c'est le roi de la statistique! On peut dire que t'as de la chance, tous mes composants sont thermorésistants. Qu'il est ce dragon que je lui botte un peu les fesses. Ouvre la bouche. Est-ce que tu vas m'obliger à te faire ça à chaque fois? Un grand merci pour votre aide, Atomic Petit. Ce garnement ne veut jamais prendre son médicament. Il n'y a pas de quoi, madame. Allez, suis-moi, Théodore. Pouh, ça m'a épuisé. Pourquoi est-ce qu'on s'occupe d'affaires minables comme ça? Notre boulot, c'est de sauver la galaxie, non? Sparky, les gardiens de la galaxie aident tout le monde. Petit et grand. Allez, on rentre à la maison. N'empêche, elle ne pourrait pas plutôt avoir un lapin. Allô? Salut, Betty, c'est Noé. À quelle heure je passe te chercher? 7h, ça te va? Super, je suis trop impatient. Je veux dire, oui, ça roule. Je serai là à 7h pile. À plus, Noé. À plus, Betty. Je vais aller danser ce soir, je vais aller danser ce soir. Quand tu auras rangé ta chambre, quand tu l'auras rangée. Voyons, Betty, je t'ai demandé 100 fois de ranger tout ton bazar et regarde le résultat. On ne voit presque plus le parquet. Si tu veux aller danser avec ton amoureux, tu ranges ta chambre et je ne veux pas entendre un murmure de protestation. Ce n'est pas mon amoureux, on est amis. C'est exactement ce que je disais quand je sortais avec ton père. Maintenant, range ta chambre. Et il me reste plein de temps pour me préparer. Atomic Betty, j'ai une mission urgente à vous confier. Atomic Betty, à vos ordres, mon amiral. La circulation est complètement bloquée sur la voie transgalactique à cause des livreurs de Mactonia. Ça bouchonne jusqu'à la constellation du Centaure. Vous vous rendez compte? Nous sommes au bord d'une catastrophe culinaire. Reçu 5 sur 5. Je m'en occupe. Comment peut-on livrer quoi que ce soit dans ce bazar? Justement, ce sont les livreurs qui bloquent tout. C'est sur Mactonia que se sont installées toutes les chaînes de fast-food. Elles peuvent vous livrer n'importe quel plat, n'importe où dans la galaxie. Même du museau de cochon marteau farci? Bien sûr. Mmh. Et comme je disais, étant donné que la demande est tellement forte, la compétition est extrêmement féroce. Neutralisation de leur propulseur. Attention, à mon signal, bouchon, feu. Celui-là, il prend la fuite. Poursuis-le. Ah, je
chouette! Des museaux de couche au marteau farci! Et moi qui venais juste de laver le vaisseau. Activation de l'anti-saleté! Sparky, fais attention! Oula, ça devient chaud! Service. Pouvez-vous me livrer un museau de cochon marteau farci, s'il vous plaît? Extra large, bien sûr. Je n'aimerais pas être à la place de ton estomac. Merci pour votre aide, Atomic Betty. Oh, y a pas de quoi. Tu n'avais pas un rendez-vous? Oh, Noé, il faut que je rentre me préparer. Non, sans façon. Je croyais t'avoir demandé de ranger ta chambre. Mais je... J'aurais dû me douter que quelque chose ne tournait pas rond. Précieux n'arrête pas de gratter à ta porte depuis tout à l'heure. Il devait sûrement vouloir entrer pour t'aider à ranger ta chambre. Hein, oh, mon chouchou? Alors toi, je vais te... Je pensais avoir été très claire avec toi. Tu ranges ta chambre, sinon tu ne vas pas danser. Je hais les chats. Oh non, pas encore. Atomic Betty, une horde d'électro-barbares a envahi la planète Mechanica Bull. Mais j'ai un rendez-vous là. Les mondanités peuvent attendre. Mechanica Bull a besoin de vous. Bon, j'y vais. Ça devrait l'empêcher d'entrer dans ma chambre. Plus un geste au nom des gardiens de la galaxie. Méfiez-vous, elle n'est pas contente. Tu es prête?
Une petite minute. Hein? Tu peux entrer. Waouh! Tu t'es mis sur ton 31. Merci. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Attendez. Je ne vais pas vous laisser sortir. Mais maman, j'ai rangé ma chambre. Oh oui, je le vois qu'elle est rangée. Mais je tiens absolument à vous prendre en photo avant que vous ne sortiez. Oh, génial. Oh, je suis tellement contente. Oh, c'est ton tout premier amoureux. Amoureux? Bah, comment ça? Ce n'est pas mon amoureux. Tu mets Noé mal à l'aise. Non, non, ça va. Chut. Allez, rapprochez-vous un peu tous les deux. Chut.